Comment garder votre motivation intacte dans le temps et atteindre rapidement vos objectifs? C'est l'objet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, téléchargez mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie » en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir mes conseils et astuces en exclusivité. Bien évidemment, n'oubliez pas la cloche pour être alerté des mises en ligne de mes futures vidéos. Êtes-vous le genre de personnes qui sont extrêmement motivées au début de chaque projet et après quelques jours, l'abandonnent et passent à un nouveau projet, qui vous excite et vous abandonnez de nouveau? Si c'est le cas, il est très important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer pourquoi vous abandonnez régulièrement et je vais vous donner des astuces pour ne plus être dans ce cercle vicieux. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Tout part d'une idée. Un jour, vous vous dites « j'aimerais faire ou obtenir cette chose-là ». Vous créez donc dans votre esprit cette image de vous en train de réussir et vous vous voyez passer à l'action. Ensuite, la motivation commence à monter en vous et ce désir grandit et un jour, vous mettez les actions en place pour matérialiser votre désir. Après quelques temps, si les résultats tardent à apparaître, votre envie, votre image commence peu à peu à disparaître dans votre esprit et la motivation vous quitte petit à petit. Et malheureusement, à ce moment-là, vous laissez tomber tout simplement. En vous disant par exemple que ce n'est pas pour vous et vous passez à autre chose. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez perdre 5 kilos. Votre désir démarre par une idée de perdre vos 5 kilos. Et vous vous voyez mince et sexy sans eux. Ce qui enclenche en vous la motivation nécessaire pour mettre les actions en place afin de mener à bien votre envie. La motivation est forte grâce à cette image que vous avez de vous-même, dans votre tête. Mais elle s'atténue petit à petit et ne sera pas maintenue dans le temps si vous n'avez pas rapidement ce carburant qui maintient votre motivation intacte. Les résultats. En effet, ce sont les résultats consécutifs qui vont vous permettre de maintenir cette motivation intacte. Sans résultats, nous ne trouvons pas la force en nous de continuer tous ces efforts. Donc il vous faut absolument avoir deux choses fondamentales pour réussir tous vos projets. Une image de vous ayant atteint votre objectif et des résultats obtenus très rapidement avant que cette image de vous avec un corps sexy et mince ne s'efface ou soit moins forte dans votre esprit. Mais alors comment faire pour obtenir des résultats rapidement? Eh bien c'est extrêmement simple. Il vous faut planifier des micro-objectifs quotidiens et mesurer régulièrement les résultats obtenus. Il est donc primordial de les mesurer car sinon, vous ne ressentirez pas vos résultats ou de façon moins forte. Dans le cas de notre exemple de 5 kg, il serait intéressant d'avoir une perte de poids située entre 150 et 600 g par semaine. Le simple fait de voir une progression stimulera de façon significative votre case résultat et donc préservera votre motivation. Il vous faut être engagé et volontaire dans vos projets de perte de poids comme si votre vie en dépendait. Ce qui, dans un certain point de vue, est le cas. Car si vos actions ne sont pas à la hauteur des résultats que vous attendez, il est très probable que vous ne réussissiez pas à obtenir vos micro-résultats et vous ne casserez pas ce cercle vicieux dans lequel vous êtes peut-être tombé. Donc pour conclure cette vidéo, l'idée déclenche la motivation et les résultats la maintiennent. Et vos résultats dépendent de votre niveau d'engagement dans votre projet. Je compte à présent sur vous pour donner le meilleur de vous-même. Dans chaque projet, vous serez cohérent avec votre but et de ce fait, votre estime de vous et votre confiance en vous va également augmenter. Vous avez tout à y gagner. Je vous demande de vous faire ce cadeau car vous le méritez vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me remercier, liker, commenter et partager cette vidéo, cela peut aider un proche à passer à l'action aujourd'hui et changer sa vie. Pour aller plus loin et passer au niveau supérieur, n'oubliez pas de profiter de mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie ». Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être dirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail. Et moi, je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous.